Light is White, Colin Chapman, le fondateur des voitures Lotus, avait fait de ce constat et de cette philosophie son propre leitmotiv. Traduisons, ce qui est léger, eh bien, une façon de voir les choses, de les concevoir légères, maniables, économiques et sacrément efficaces. Visiblement, cette vision a fait des émules de l'autre côté de la Manche, même dans la machine agricole. Quand on parle de pulvérisateurs légers, de ceux qui font environ 4 à 5 tonnes à vide, on pense forcément aux Sprakoop américains. Mais moins connus, les Bateman, Hausham, Schaefer et Frazier ont longtemps pêché par leur réseau de distribution limité ou inexistant, et pour ce qui est de l'agribuggy de Keeland, les choses vont changer. McConnell, fabricant anglais de matériel de travail du sol, de saumoirs et des broussailleuses, avec son plus grand réseau de distribution et par sa plus forte notoriété, a pris sous sa coupole ce petit pulvérisateur séduisant, économique, donc très actuel. Et en France, c'est historiquement Paillet Import qui représente la marque. L'entreprise située en Seine-et-Marne va profiter à son tour de son réseau de distributeurs situé dans l'Hexagone pour faire connaître l'agribuggy. Il ne s'agit pas seulement d'un automoteur de pulvérisation, mais surtout d'un automoteur multifonction comme les Anglais savent le faire. Car en 30 à 45 minutes, le module de pulvérisation se décroche pour par exemple employer un distributeur à engrais porté. En plus d'être compact, pesant 4,9 tonnes, module de pulvérisation vide greffé sur le châssis, il est réparti à 50-50 sur les deux essieux. Côté technique, c'est simple, pas de transmission hydrostatique, mais une ZF mécanique à 4 rapports ILO que l'on peut conduire en mode automatique ou séquentiel, et un moteur 4 cylindres de 2,8 litres de 148 chevaux fourni par Cummins. S'il évolue à 50 km/h outre-Manche, l'agribuggy est homologué à 40 km/h en France. En cabine, l'impression de conduite est bonne. Positionné devant l'essieu avant, on dispose d'une vue panoramique de premier ordre avec un écran tactile couleur de 8,4 pouces qui permet de gérer les fonctions de l'appareil, notamment la régulation T-Jet, le guidage par GPS, la coupure individuelle des 7 tronçons ou superviser la circulation continue à fermeture pneumatique des porte-buses à 3 sorties. Concernant le module de pulvérisation, on retrouve une cuve de 2700 litres avec une pompe de 274 litres par minute ou 335 en option. L'incorporateur de type Venturi a une capacité de 30 litres. Enfin, l'agribuggy que propose McConnell via le réseau Paillet Import s'offre des rampes d'origine pommier de 24, 28 ou 30 mètres. S'inscrivant dans la tradition anglaise, cet engin léger et maniable pourra passer partout et en toutes conditions. Polyvalent comme un tracteur porte-outils économique à l'usage, l'agribuggy a les arguments pour séduire même en France.